Salam alaikum tout le monde. Je sais, je sais, je sais. C'est difficile à. Mais bon. On l'avait dit, sur le sport, on pouvait gagner comme on pouvait perdre. On était très optimiste pour le gain, mais on a perdu. Un score lourd. Match faussé. Tension, attention. Mais on félicite notre équipe nationale. On vous félicite, bravo les mecs, pour le parcours avant les qualifs pour cette Coupe du Monde qui va venir et pour cette demi-finale et tout le parcours que vous avez effectué. La Coupe d'Afrique, on vous félicite. On est toujours derrière vous, on sera toujours derrière vous parce que vous nous avez fait rêver et vous continuez à le faire. Maintenant, il faut jouer à troisième place. Mais préparez, vous aurez le temps pour préparer la Coupe du Monde afin de faire une bonne figure. C'est le football. Le cours à tebrik ou la tekrak. C'est la perte. L'khsara ou qui tebrik, c'est. C'est vrai que faut voir pourquoi on a perdu, mais on n'a pas besoin de faire des commentaires à chaud. J'ai pas voulu faire des commentaires à chaud, il est 2 h du matin. Ça fait belle lurette que le match était fait et fini. Mais je me suis un petit peu calmé. C'est vrai. La baraka qui la façon d'exercer l'arbitrage scandaleux, moi je. Mais c'est la CAF. C'est la Confédération africaine de football. C'est elle qui gère la compétition. Et c'est comme ça. Vous savez, il y a des bus qui sont mitraillés. Il y a des buts. Ou là, des buts qui ne rentrent pas, ils sont sifflés. Il y a des buts qui rentrent à nous se mettre à. Ils sont pas sifflés. Je parle qui m'égoule le match Cameroun-Égypte, ou là le match Algérie-Rwanda, ou là le bus du Togo, ou là l'expulsion du joueur tunisien, ou là le 6 minutes de perte de temps alors qu'il n'y en a que 2 ou 3. C'est la Confédération africaine de football, c'est comme ça. Qadia qui m'égoule le Kawelis, ou des scénarios, des voilà, c'est comme ça, c'est. Il n'y a pas que la CAF, hein, même l'UEFA avec la main de Thierry Henry, avec le scandale avec les matchs truqués en Ligue des Champions, la FIFA, comme Arftou, le KSH du bus algérien, donc c'est des trucs les. Ça y est, c'est les instances qui dirigent le football. Rahom corrompu. Rafiat Khalat bzaf. Même si, selon moi, et je suis sûr que plein de gens ne seront pas d'accord avec moi, on a aidé l'arbitre. On a donné Kimegoulak la chance à cet arbitre de nous, Kimegoulak de nous. Causer un tort, les Macadinesh bad de récupérer. Ouais. Je sais. Je sais que Halish ne méritait pas le carton jaune Loul. Je sais que Halish ne méritait pas l'expulsion. Je sais aussi que le penalty était sévère. Karami Goulou, mais je suis l'arbitre là. L'arbitre, je drapeau. Donc vous savez, un arbitre, c'est il siffle des trucs selon son appréciation. Il est pas tout le temps devant l'action. Donc oui, il chauffe le site qui tâche, il chauffe le geste, il chauffe maintenant. Des arbitres européens de renommée, Ken Beshmefosech le match, Gal Mantardash. Ça arrive, oulala, j'ai vu ça dans des championnats européens. Même Belhaj, Gal Beshmefosech le match, j'en ai déjà traité l'homme Wahad, Beshmantard l'homme Jzaouj, c'est une demi-finale, etc. Mais écoutez, cet arbitre Marlat où il a faussé, ou c'est un qui m'a dit que c'est quelqu'un qui est venu pour
pour foutre la merde, pour sortir le match, l'aspect sportif, où il a avantagé l'Égypte. Je ne dis pas s'il n'avait pas expulsé, on n'aurait pas perdu, mais comme dit l'article de France Football demain, et j'insiste, je fous francefootball.fr, il y a un article sur France Football chez Goul. Bon, l'Égypte élimine l'Algérie 4-0. L'Égypte n'avait pas besoin de ça. C'est des Européens qui disent ça, c'est pas nous. Donc ça, c'est un arbitre. Les Meshit à demi-finale de la Coupe d'Afrique, ou Meshit à compétition qui m'en a ou bzef les arbitres en kiffé. Beaucoup d'arbitres. Ouah Tsmin, ouah Dergué Mebench. Ouais, il est influencé, voilà. Mais bon, garde l'arbitre. Mais c'est comme ça. Ça pouvait tomber sur nous, c'est tombé contre nous. Pour des raisons. Hein. Là, on a une Coupe du Monde, les gens doivent avoir. Les autres doivent avoir la Coupe d'Afrique, et c'est comme ça. Parce que. Il pouvait expulser Chaouchi sur le coup de tête. Li darba ou la madarba, je dirais l'arbitre à 4 rouges. 4 rouges. Un arbitre européen n'a jamais ça. Mais ça l'a l'eau, khlef halou. Une équipe demi-finale, tu fais jouer une équipe. Tu sanctionnes une équipe, tu l'as la psbaaf le champ. Tu lui expulses toute une défense. Et tu veux qu'elle prenne pas l'eau, c'est clair. T'as que d'abord pour trouver maintenant, trouver qui me goulak à babor et à tribord ou Brita Mehouchi couli. Donc pour moi, après l'expulsion de Belhaj, je me suis levé, je suis détracé, je me suis dit, purée, ils nous ont eu. Voilà, la CAF nous a eu. On a une part de responsabilité. Il faut être sportif. Oui, on n'a pas bien joué ce soir. On n'est pas rentré dans le match, mais Khalan est dans le match. Il a tout fait. Il nous a expulsés. Maintenant, on a pénalty. On a contrôlé le match. Mais j'expliquerai ça dans ma deuxième vidéo. Oula. L'expulsion de Halish n'a pas été seulement le tournant du match. Mais le match au complet. Parce qu'avec l'expulsion de Halish, il y a Halish qui est sorti du match. Il y a l'équipe nationale complète qui est sortie du match. Staff technique avec Saadan qui est sorti du match. Même le public, on est sorti du match. Donc c'était pour moi, c'était un scénario. Et ici à l'Afrique, c'est comme ça. On s'est énervé, on a facilité les autres cartons rouges. Le match était calme. Jbedna safra batal, ou zedna pas safra zaouja ou le penalty ou kulchi. Une équipe technique qui m'a l'Algérie ou solidaire. Qui t'énerva, c'est foutu. Rakana chouia avec un 3. Hein, avec un 3-4-2. Mais après l'expulsion de Belhaj, tu peux pas jouer un 2-4-2. Taki Markoulk stage. Il fallait faire des changements. Tu sors ton attaque, tu sors. Tu sors les gens qui ne. Voilà. Félicitations à notre Fennec. À nous Fennec. Félicitations à la production. Et vive l'éthique, croyant. Vive l'éthique, l'adversaire là il s'est allé, on attendait que ça. Et il y aura de bons moments, d'autres bons moments. Donc après je vais faire la vidéo sur le match. Inch'Allah. Tout de suite. Salut. Et ne soyez pas triste. Malgré que c'est difficile.